et apparaît là capable déjà mobiliser pour organiser élection Jean que au et amende ça comme date pour ta élection dans fin mois de janvier qui vient là. Pour une réponse à la question ça on a pas vite entendu un extrait dans intervention professeur Ronny DeRoche qui a participé dans Haïti sa cap 8 li gon expérience dans observer élection par Boïcite qui c'est à travers organisation li la dans initiative société civile là et ben li gen yon expérience ça n'a pas permettre entendre réponse la bay est-ce que nan moment on a parlé là techniquement et possible pour nous organiser l'élection et nous regarder volet politique là tout ensemble avec lui dans le cadre de l'élection président Jovenel Moïse voulait organiser. Professeur Ronny DeRoche. Est-ce que techniquement l'élection est possible dans moins de 6 mois? Dans le contexte, côté que président, pourquoi il y a un conseil électoral? Le conseil électoral là, pourquoi fonctionner? Dans le contexte aussi, côté que Office national d'identification nationale, pourquoi livrer dernière information que j'ai, mais moitié de la quantité 4 l'État doit livrer. Est-ce que techniquement, lorsque nous retirons toute considération politique, insécurité, et opposition politique, qui dit qu'on parle dans l'élection avec le président Jovenel Moïse, il faut démissionner avant 7 février 2021, nous reconnaissons ça. On approche technique. Assurez-vous pour nous garder l'approche ça, pour nous garder l'aspect ça, nous avons ensemble avec nous un spécialiste en observation électorale dans le pays, professeur Ronny DeRoche. Directeur exécutif ISC, Initiative Société Civile là. Professeur DeRoche, bonsoir. Bonsoir Robinson, nous saluons tous les téléspectateurs, téléspectatrices de SACAP 8. Merci beaucoup professeur. D'abord, je vais vous demander, est-ce que le président Jovenel Moïse a allé dans le sens libre aller pour les monter le conseil électoral là? Je vais expliquer un petit cas, vous comprendre. Organisation, secteur clé dans ce pays qui généralement qu'on voue moun dans le conseil électoral là, il y a réticent pour y faire. Il y a qui clairement dit, il y a pas voue moun. Ou le président a pris des organisations parallèles dans le secteur pour que les moutent le conseil électoral là. Est-ce que s'il fait comme ça, la moutons le conseil électoral crédit? Bon, nous-mêmes, au niveau de l'initiative de la société civile et de l'OCID, l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, depuis quelque temps, nous t'es sorti en communiqué pour nous faire comprendre que jodi a pour que élection possible, il faut que gagne un dialogue. Il faut que gagne un chit attendez qui fait entre pouvoir et opposition et pouvoir tout et peut-être société civile là tout secteur des affaires parce que gagne un pile contentieux jodi a qui pas encore réglé et qui nécessaire pour y régler de telle sorte que nous capables gagner une élection qui est plus ou moins potable. Ou sont évoqués un certain nombre de problèmes techniques qui existaient, donc ou à question de et enregistrement des électeurs, nous gagnons effectivement ONI qui pas encore véritablement même enregistré la moitié d'après information qu'on gagne et d'après ça moins lié tout effectivement au grand sérieux retard dans enregistrement mounio, dans livraison carte d'identification etc. Tout bagaille ça, il faut que résoudre. Et puis, l'affaire, bien entendu, du Conseil électoral. Jean-Président, après aller là, par quoi que la capable fait un CEP qui est crédible, un CEP qui est capable de livrer une élection correcte, acceptable. Parce que nous pas besoin d'élection qui pourra le ballon plus de problèmes dans le pays. Hein. Nous connaissons que souvent, nous avons qui appelle Jodia. D'après sa loi a dit, d'après sa constitution amendée a dit, pour que trois pouvoirs ont avoué chaque trois mounes, n'est-ce pas? Et je veux dire, il n'y a pas un parlement, parlement dysfonctionnel. Je veux dire, c'est un consensus qui peut joindre, soit un accord politique qui peut joindre. Et quoi que tradition, depuis de nombreuses années, c'est que des secteurs représentatifs de la société haïtienne voyaient des mounes pour capables former CEPSA. Il faut que la présidente a entamé un dialogue sérieux. Mais même un dialogue sérieux, c'est pas simplement à faire une petite négociation avec tel secteur, ou bien chercher un groupe non représentatif dans tel secteur pour voir un monde. L'idée n'est pas de voir un monde. L'idée, c'est d'avoir vraiment une représentation des secteurs. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous avons dit, il faut que gagne un dialogue.
non seulement avec les partis politiques, mais aussi avec la société civile, parce que gain contentieux. Mais, oui. Mais, maintenant, professeur, et désolé si je m'interromps, oui. Dialoguer avec qui est-ce? Organisation, yo, et plusieurs là, on parle ensemble avec eux, ils ont dit que le moment pas propice pour voyer le monde en dans le conseil électoral. Déjà là, ils ont une position de principe que ne pas désigner le monde en dans le conseil électoral. Ouais, et ça a passé dans le jour avec l'Église catholique. Monseigneur Dumas dénonce un ministre qui, pas le divin corrompu, non, mais c'est entre guillemets, c'est ça, le divin, l'homme vient faire un style de compromis comme ça, bon, il y a un monde dans le conseil électoral là, ma boy, un ambassadeur dans le Vatican, déjà là, et l'église catholique, là, difficile pour qu'elle voit au monde. L'église protestante et protestante, c'est tout, et secteur organisation doit monde déjà protestante, et secteur syndical là, lui-même, président tellement voué l'aide par organisation dans ce secteur syndical là, il faut qu'on mette tête yo ensemble. Secteur université en parle ensemble avec lui. Et bien, il dit que préoccupation qu'on a là, c'est pas voué mon dans et conseil électoral. Secteur patronal, idem. Donc, les secteurs qui généralement ont l'habitude de voué, ils ont déjà des positions de principe que pourquoi voué mon dans conseil électoral là. Bon, bien entendu, je vais prendre secteur vaudouisant qui apparemment te mettait d'accord puis voué au monde. En dans le conseil électoral. Dialoguer avec qui est-ce pour monter le conseil électoral, ça, professeur Desroches? Bon, je crois qu'il faut nous aller au cœur du problème. Il faut que nous posions le problème, j'en lié véritablement. Parce que le contentieux qui gagne là, c'est entre une affaire de est-ce que l'élection a fait avec Jovenel Moïse ou bien est-ce que nous voulons entrer dans la transition? Voilà le vrai. Oh. Problème. Je crois que c'est ça qui est vrai problème là et il faut que nous poser le sérieusement et il faut que c'est sous l'itou pour nous capables chita avec les autres secteurs. Je crois que nous avons tradition, il faut le reconnaître, nous avons tradition en Haïti et l'autre jour, enfin bon, si tu as une chance de lire. Livre que m'écrit pas de développement sans cohésion nationale, me fait analyser ça et me fait analyser plusieurs fois déjà. Sur près de 37 présidents que nous gagnons, qui étaient normalement élus, je ne vais pas parler de président provisoire qu'il a pour 2-3 jours, etc. Mais des présidents qui ont un mandat. Eh bien, c'est 26 dans eux, n'est-ce pas? Et c'est renversé que renversé. Comprenne. Donc, ça veut dire qu'il y a 26 sur 37. Ça veut dire que nous avons une culture politique de renverser le président, n'est-ce pas? Et le président tombé, il mettait un provisoire, provisoire fait élection, et puis il a fini. Cycle a recommencé. Bon. Maintenant, on croit que ces questions, ça, il faut analyser très sérieusement. Moi-même, personnellement, c'est pas parce que moi, partisan ni X, ni Y, ni Z, partisan Jovenel Moïse, ou bien par contre, X, Y, ou Z. Non. Moi-même, moi, j'ai un problème avec la fait transition, hein, parce que son source d'instabilité que lié dans le pays. Et ceci, de façon. Moi, j'ai appelé avec un pile intérêt, n'est-ce pas, certaines analyses que le nouveliste fait, particulièrement avec Michel Carrois, n'est-ce pas? Qui c'est un journaliste observateur de la vie en République dominicaine et le nouveliste s'est posé la question pourquoi cette différence entre Haïti et la République dominicaine. Il y a un peu plus de 60 ans, nous étions à égalité sur le plan économique, etc. Et sous aller dans le 19e siècle-là, Haïti était dominé la République dominicaine, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan politique. C'est-à-dire que la République dominicaine a fait n'importe quel changement. Il faut regarder ce qu'a fait en Haïti. Il faut venir consulter Haïti, etc. Bon. Maintenant, ils ont dépassé nous de 1000 coudées, n'est-ce pas, économie, 10 fois plus prospère que Panoua. Et m'a regardé l'analyse que mon tonton Michel Carrois qui compte tout de pays au bien, Lido, le secret, c'est la stabilité politique. Pendant très longtemps, la République dominicaine était en instabilité jusqu'à un moment de la durée, était en guerre civile entre on prend Camagno ici, l'autre bord, bah, comme ça. Mais à un moment de la durée, on a dit que les élites dominicaines ont compris que le pays ne pourrait pas progresser s'il n'y avait pas de stabilité politique. À partir du moment où nous restons dans la culture politique, là,
que c'est insurrection, transition, élection, et puis on l'autre montée, et puis depuis l'autre la montée, ça que t'es l'opposition, il commence à frapper pour insurrection, pour ceci, pour cela, etc. Tout en arrêté dans le cycle ça, moi-même, moi pensais que nous parlons de chaque problème sur le plan économique, sur le plan social, et nous pas progresser. C'est pour ça que je pensais que la norme, à savoir que un président élu, li rive dans fin mandat, li fait élection, ça qu'en face là, li capable profiter de erreur que l'autre l'a fait pour acculer li, n'est-ce pas? Parce que l'autre est à la barre. Non, pays d'Haïti. Quantité de problèmes que nous avons dans le pays d'Haïti, problèmes économiques, problèmes ici, problèmes l'autre bord, etc. Vous comprenez? La parole difficile mais pour mon réussir facilement. En même temps, l'opposition est capable de dire deux bagailles. Oui. On va le réagir sur vous. Vous êtes capable de dire, on fait une dernière transition pour finir avec ça. Et vous êtes capable de dire tout. Lorsqu'un président de la République qui campe et qui dit, pouvoir, non, mais nous, on ne peut pas prendre, ça veut dire machine l'État déjà dans le et l'opposition a estimé que, et à juste titre, c'est légitime pour le dire, bon, si ma appareil d'État déjà, non, mais on ne peut pas plaquer pour voir ça, c'est qu'on va le déplacer tout pur et on connaît tout. Et l'ONI, avec Edema, qui déjà contesté, l'opposition est capable de dire, par contre, quelle élection sérieuse là qui pourra le faire dans la condition où il est là. Bon, moi-même, personnellement, moi, toujours aimé faire bagaille de façon scientifique. Vous comprenez? Si on me dit que y a un problème dans le dermalogue, il faut prouver. Au moins, il faut que dans la loi, nous soyons capables de faire une commission mixte, n'est-ce pas? Avec mon opposition à la dernière, avec mon pouvoir de technicien fiable, pour nous regarder si y a un problème de tricherie, n'est-ce pas? De fraude qui est déjà insérée dans l'affaire des malogues. Vous comprenez ça? Il faut nous garder. Et je crois qu'il y a suffisamment de techniques aujourd'hui et de capacités dans le pays. Et nous sommes capables même de prendre assistance technique, expert technique, et l'autre bord, pour nous analyser question ça. OK? D'accord. Maintenant, nous avons déjà pris une disposition constitutionnelle dans le pays d'Haïti, à savoir que le président, n'est-ce pas, qui est en fonction, ne peut pas être candidat à la présidence. Ouais. C'est pour éviter justement que lui-même lui pensait pour succéder à tête lui. Ouais. OK. Faut le quitter au espace de 5 ans, après ça, le gars. Après ça, pour le tourner. Bon, c'est déjà une précaution que nous prenons, pour comprendre. Et bon, on est capable de dire c'est parti, mais qui vous dit que qu'on harmonie parfaite entre le président actuel avec le parti qui vous est là? Vous comprenez? Ou capable exploitant pile bagaille. Le problème que nous gagnons, et Robinson, c'est que politiciens haïtiens ont refusé de mettre tête ensemble. Et l'homme de ça, c'est expérience que me fait moi-même personnellement. C'est au niveau de l'initiative de la société civile avec d'autres camarades, etc. Combien de fois nous essayer de mettre des partis politiques ensemble, n'est-ce pas, pour être capables de faire un front commun. Bon, je me souviens, après 2004, n'est-ce pas, nous avons gagné un groupe de près de 8 partis politiques qui étaient réussi réunis dans le local ISCA. Nous faisons des séances, moi-même, qu'on a travaillé, je me souviens, avec des fins. Micha Gaillard sous programme, sous question, etc. Vous comprenez? Lors du monde, mettez ensemble des candidats pour y affronter, ils ont refusé. Chaque nègre parle pour un chantier, et puis dans le deuxième tour. Et puis Préval paraît, il pratiquement, bon, il n'a pas fait 50%, il a fait 48%, mais ben, là, viré, Jean le viré, et puis monsieur. Il va pouvoir. Vous comprenez? Nous refusons. Or, l'organe histoire en pile pays. Et vous avez dit ça tout pour Matéli, pour Jovenel Moïse, oui, parce que c'est oui, pratiquement. Certainement. L'organe, n'est-ce pas, ça qui passe en Amérique latine, que ce soit un bout du, tout le monde mettait tête. Et me pensait que c'est ça qui est la meilleure chose. Et d'après moi-même, parce que ce sont mon vle garder. Le mandat de Jovenel Moïse, presque un mandat qui est perdu. Qui ça qui réalisait véritablement la donne. Vous comprenez que ce soit sur le plan électricité que le te promette pour le bail
Bon, ben, je dis, regardez, situation, monsieur, c'est même bagay la caille, ou c'est même bagay la caille, bon, ou passez des semaines sans électricité. Non, regardez, il y a des indicateurs qui sont clairs, nous venons plus pauvres, nous venons plus pour nous gagner dans la sécurité alimentaire, exactement. Il y a plus de sécurité, et pays a venu plus dans situation fragile pour sur le plan environnemental, économie nous plate à zéro, donc bilan au clair. Ouais, bilan au clair. Vous comprenez? Bon, maintenant, je pense que vous êtes capable d'exploiter ça, mais. Il faut que, non seulement nous mettre les têtes ensemble, mais pour nous dire que les partis politiques, tout, ils viennent avec des programmes, avec des politiques publiques qui permettent nous redresser la situation. Or, il faut le dire, malheureusement, nos partis politiques souvent ne font pas de propositions. Leur grand problème qui posait, vous comprenez, peut-être capable de joindre société civile là, font proposition, secteur privé à font proposition, mais parti politique souvent, ils ont muet sur les vrais problèmes du pays. Ouais. Il s'agit bon, de sécheresse d'offres politiques. Ah, bon, sécheresse d'offres politiques. Donc c'est là le problème, là, et oui. Parce que s'ils sont affaires de gourmets pour prendre pouvoir, pour continuer le même, okay. Vous comprenez. Une question fermée et directe, oui. Professeur Desroches. Dans l'état actuel des choses, les élections sont-elles possibles? Bon, moi, je pensais que ce sont questions de volonté. Et c'est pour ça que le dialogue-là est important. Premièrement, tout le monde a parlé de problèmes économiques, problèmes sociaux, etc. Mais qui ça qui pour résoudre le problème yo? Si ce n'est une équipe sérieuse, correcte, compétente, intègre, honnête et qui gagne légitimité. Comment pour faire jouer légitimité si ce n'est pas à travers les urnes, si ce n'est pas à travers les élections, si c'est toujours même attitude de combinaison, vous comprenez, deux, trois nègres réunis dans l'hôtel, non, n'importe où, prince, etc. Et puis, yo prend pouvoir, yo séparé pouvoir entre yo, etc. Quelle légitimité que mon yo pral gagne? Vous comprenez? Au moins, leur aller dans les urnes, ou capable de dire, moun yo déplacer, moun yo aller, etc. Maintenant, si nous prenons le problème de l'insécurité, ok? Moi-même, personnellement, moi, je pensais que je dis, il faut nous reconnaître faiblesse de nos forces de sécurité dans ce pays. Pour revenir à la République dominicaine et aux analyses faites par le Nouvelliste, bon, malheureusement, je n'ai pas gagné à lire tout, tellement pile. Même si j'ai un homme que je lire, qui était. Je crois que c'est Michel Caruato qui t'a dit ça. Entre l'armée et la police dominicaine, on gagne 100 000 hommes. Ouais. OK? Pour 11 millions d'habitants, à peu près, même population avec nous. Nous-mêmes, c'est entre 14 et 17 000 policiers que nous gagnons. Vous comprenez? Et une police qui. Refaite récemment, qui par une longue tradition, au moins l'armée d'Haïti a gagné quand même des institutions, a un système de renseignement, a gagné des hommes qui étaient formés. On prend un bon militariste, non? Mais quand même, il faut que nous commençons par reconnaître que nous faisons des erreurs historiques dans ce pays, en démantelant, par exemple, de réformer l'armée.